Donc voilà un peu, donc on va attendre le cortège. Les personnes sont ici, ils attendent avec les habits des moines évidemment. Donc on a aussi, c'est équivalent à un don évidemment. Et vous avez pas toute la population parce que ça vient au fur et à mesure. Et on va attendre le cortège et on va être avec le cortège. On va faire trois tours du temple, voilà. Voilà, et c'est là, avec des habits, dis, tambundi. Donc, et toutes ces personnes-là vont aussi aller dans le temple. Les enfants, voilà. Tous les enfants, voilà, vont avoir des petites pièces qui vont tomber de tous les côtés. Ils vont être heureux, ils vont chanter, ils vont danser, ils vont être vraiment, vraiment heureux. Le cortège va arriver, évidemment. Pipim. Poun. Voilà. La pipim là. Voilà. Léo. Moi j'adore ces fêtes. C'est vraiment super, super. Vous allez voir, le cortège est très très beau. Il y en a qui vont arriver du lieu où on a fait la fête. Les enfants sont tous là avec des plastiques et tout. Alors, à l'intérieur, il y a un bat. Ils vont s'acheter des bonbons tout à l'heure. Ils vont s'acheter des gâteaux. Ils vont s'acheter de tout. Allez, je vais vous laisser. Protéger les enfants, mes amis, pour ceux qui regardent cette vidéo, partagez, ça fait du bien de voir des personnes et des gens heureux, et surtout les enfants et les vieilles personnes. Protégez les vieilles personnes parce que c'est eux qui vont donner, évidemment, comme je dis toujours, les informations de ce qui se passait à l'époque, et les enfants, c'est l'avenir. Dans notre passé, il ne faut pas l'effacer. Malgré tout, il faut garder les bons souvenirs, mais surtout, il faut aussi donner une bonne vie et un avenir pour nos enfants.